Hello mes pams. Ce week-end, je vous emmène avec moi pour mon coaching pom-pom privé dans un lieu d'exception. Je suis à Clairefontaine au Centre National de Football. C'est juste un endroit sublime en plein milieu de la forêt, c'est immense. Je vais vous faire visiter, c'est parti, on y va. Je suis arrivée à ma résidence où je vais être logée pour ce week-end, à côté de la résidence Espoir et Élite. Donc voilà, je suis prête à donner mon cours. Je vous retrouve un petit peu plus tard. On vient de terminer notre première session de répétition intensive. On enchaîne avec un briefing, mais j'ai eu quelques minutes pour venir me poser dans ma chambre. C'est trop bien, j'ai la chance d'être carrément logée à Clairefontaine dans les résidences. Donc j'en vais en profiter pour aller faire un petit tour avant que la réunion commence et profiter du soleil qu'il y a dehors. Je comprends pourquoi en fait les joueurs de l'équipe de France viennent sur ce site pour la préparation de leur match. C'est extrêmement apaisant. On est loin de Paris tout en y étant assez proche, puisque j'ai mis à peu près une petite heure, on va dire, pour venir ici. Et en fait, on a l'impression d'être déjà à la campagne. C'est la fin de ma petite pause. Maintenant, c'est parti pour le briefing. Je vous retrouve après ça. Ouais, quel accueil, merci. Je suis Élise, je suis la coach pom-pom. Là, je termine ma journée avec une petite balade. Peut-être que je vais me poser quelques minutes pour faire un petit peu de méditation et profiter du lieu. Des joueurs, je crois que c'est Espoir. Bonsoir. J'avoue que je me régale parce que c'est l'occasion pour moi de transmettre mon message, mes valeurs de pom-pom pour tous et de faire ce que j'aime dans un lieu d'exception. Donc je vais aller me poser quelques minutes, après on va partir de manger et je vous retrouve demain pour la suite de mes aventures à Clairefontaine. À Clairefontaine. Bon, alors hier soir, moi qui voulais me coucher tôt, finalement ça s'est transformé en soirée et on s'est couché super tard. C'était top, mais du coup ce matin je suis crevée. Au programme, la matinée, répétition toute la matinée. Puis on va manger, on fera un petit débrief en début d'après-midi. Et moi j'y vais parce que je suis en plus un petit peu à la bourre. Donc on se retrouve plus tard. J'ai terminé mon coaching, c'était une super dernière journée à Clairefontaine, mais c'est pas terminé parce qu'après l'effort, le réconfort, on va tous ensemble visiter le château de la résidence de l'équipe de France. Franchement, c'est trop cool, je vais terminer ma journée avec un moment super sympa. Et notamment celle de Didier Deschamps. Et du coup, pour pas salir parce que l'équipe de France arrive au complet demain, on fait la visite en chaussettes.
termine en beauté ce week-end à Clairefontaine puisque c'est bientôt mon anniversaire et ma team de choc m'a fait une surprise, donc j'ai eu de merveilleux cadeaux. Voilà, je peux pas, j'ai pom-pom et un sac avec plein de petits goodies et de jolis mots. Donc voilà, bah, merci à tous et puis fin du week-end. Ouais. Bisous. C'est la fin de mes aventures à Clairefontaine. J'espère que ça vous a plu de me suivre avec ce nouveau vlog. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour voir d'autres aventures, apprendre plein de conseils sur la danse, sur le pom-pom et toujours plus d'énergie positive. Donc, abonne-toi à cette chaîne. Ici, clique en bas. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et on n'oublie pas, Pumpkin!